Bonjour à tous, ici Sprilex, bienvenue dans ce huitième épisode de Let's Play sur Portal 2. Alors, nous sommes dans ce... Si je fais ça comme ça... Hop. Hop. Non, une mauvaise idée. Donc, le bleu, c'est bon. Le orange... recouvrir. Si je fais ça ici, j'arrive là. J'arrive là, j'ai un cube là au-dessus qu'il faut que je récupère. Je sais pas encore comment. J'ai pas de surface où je pourrais mettre de quoi rebondir. Alors, si je reviens ici. Si je reviens ici. Ça et ici le voilà. Bingo. Donc on y va. C'est ça. L'orange là-haut. Ok, donc dans ces cas-là, maintenant, je dois venir là-haut. Ici, je dois poser... Ah non! On est à l'envers. Donc déjà ça... Je vais pouvoir aller là, ici. Je peux... Voilà, pour faire rebondir la plaque. Je mets le cube. Ici, je peux aller là-haut. Là, j'ai besoin d'orange. Très bien, je dois revenir là-bas. Et c'est parti. Voilà. Et c'est bon. Si ça vous intéresse, il reste quelques postes à pourvoir. Rapport à cette prime dont je parlais tout à l'heure. Comme je disais, il suffit de se laisser disséquer. C'est pas la mer à boire, hein. On sait comment remettre les morceaux en place après. Fini les tumeurs, les cirrhoses, tout ça. Vous vous sentirez propre comme un sous-neuf. En fait, c'est vous qui devriez nous payer. Très bien. Merci. Quand
je pense que je remercie ces gens-là. Merci d'avoir assez dessoulé pour participer au test du gel propulsif d'Aperture Science. Pour une fois, vous êtes utile à la société et la société vous est reconnaissante. Dans le cas où vous aviez des affaires personnelles, prenez-les avec vous. Inutile de laisser traîner des cartons et des sacs poubelles ici. Je sais bien que pour vous, $60, c'est une manne inespérée. Évitez de tout claquer en... Caroline, qu'est-ce qu'ils achètent ces gens-là? Des morpions, de la crasse? Ok. Donc, on va essayer d'aller là-haut. Station de pompage gamma. On vient de là. On va aller là-haut. Gel. On va pas jouer au con. Hop, sortir. Je viens d'en dessous. Ok. Donc je dois réussir à aller là. Et non, ça ne va pas parce que... Je dois sauter ici comme ça, donc je dois avoir de l'élan et tomber quelque part. Thank you.
Donc Gamma, oui, d'accord, on est revenu là. C'est là-bas que je dois aller. Rien de trop possible à faire, malheureusement. À moins qu'il faut venir ici et sauter d'ici. Ah oui, c'est ça doit être ça. Donc, voilà. Non, je veux bien le mettre au milieu. Enfin, quoique, non, là, c'est bien. Alors. Ah bah ok, non, c'est encore plus simple, je vais courir. Bah non en fait. Bon, ok. C'est pas bon, c'est pas bon. Je me suis fait, mais bienvenue au centre d'enrichissement. Depuis que tous les employés sont tenus de participer au test, la qualité de nos cobayes a augmenté sensiblement. La longévité du personnel, beaucoup moins. Résultat, on va devoir supprimer progressivement les tests sur les humains. Mais avant ça, il y a encore 2-3 trucs à finir. La compta m'a dit qu'on n'avait pas les moyens d'acheter pour 70 millions de rochers lunaires. Même pas pour 7. Rien à carrer. J'ai broyé tout ça, j'en ai fait un gel. Et vous savez quoi? La roche lunaire broyée, c'est un poison violent. Je suis condamné. Par contre, c'est aussi un excellent conducteur pour les portails. Donc logiquement, on va déterminer si des sauts répétés par ces nouveaux portails peuvent drainer le poison lunaire. Moi, quand la vie me fait trébucher, je me relève. Allez, on positive, et on fait des expériences. Cela dit, si vous pouvez terminer les tests le plus vite possible, ça m'arrangerait. Caroline, rapporte-moi des antalgiques, si tu veux. Voilà. Très bien. Nouveau test, donc avec le gel blanc qui est de la roche lunaire broyée. Ok, bon. Très bien, et je dois en mettre un autre. D'accord, voilà, simplement. Et j'en fous partout. Par exemple, si j'ai envie d'en foutre là, non, je peux pas. Pas directement, en tout cas.
de proche en proche. M'en fous, c'est cancérigène et compagnie. Moi j'en fous partout. Mon ascenseur vient de là. Bon, on a fini de s'amuser. Ça marche bien, c'est déjà ça. Je dois réussir à aller là-haut, je pense. Non, là-haut. Donc oui, là. Donc en gros... Ça ne va pas assez haut. Il faut que je trouve comment faire pour sauter assez haut. Je vais faire ça comme ça plutôt. On va remettre. Voilà. Et à partir de là, ça devrait aller. Bingo. Même un peu trop, mais. Bon, j'ai pas mal réfléchi. Quand la vie vous fait trébucher, ça ne suffit pas de se relever. Il faut lui péter les rotules à cette grognasse. Oeil pour oeil, dent pour dent. Essaie un peu de te relever maintenant, traîner. Je vous jure, la vie regrettera le jour où elle a osé faire trébucher Kev Johnson. Tu sais qui je suis? Je suis le grand méchant loup qui va faire tomber ta maison. Je vais ordonner à mes ingénieurs de monter des rotules sur ta maison pour pouvoir les lui péter. Mon postulat est simple. Si on peut stocker de la musique sur un disque compact, pourquoi pas l'intelligence et la personnalité d'un individu? Mes ingénieurs sont en train de plancher là-dessus. Ça fait 30 ans qu'on aurait dû se concentrer sur la cartographie cérébrale et l'IA. Enfin bon, c'est trop tard pour faire machine arrière. Je le dis, je le redis et je vais le diffuser en boucle pour que ça rentre dans le crâne à tout le monde. Si je crève avant que vous arriviez à me transférer dans un ordinateur, je veux que Caroline prenne la relève. Elle va rechigner, c'est son genre, toujours trop modeste. Je ne veux pas le savoir. Forcez-lui la main. Eh bien, mettez-la dans mon ordinateur, je m'en fiche. Bien, fin du test. Vous pouvez retourner à votre bureau. Bye bye, monsieur. Donc c'est bien Caroline. Hop. Voilà, on est tout en haut. Bah.
monte encore. Et là, je suis au plus haut. Mettre là, ok. On y va, hop. Parfait. Si je vais là, je veux bien, mais je fais quoi ?
essayer de tomber, mais... baver du bleu. Je ne sais pas. Ah, non. Je vois pas et ça m'embête. Pour rester poli. Non. Donc si je tombe là, je reviens ici. Ça fait que toi. Voilà. Toi. Voilà. On fait ça bien. J'arrive ici. Oh purée. Mince. Voilà. Ça et qu'ici je tombe dans le trou, c'est beau. Eh ben si, c'était ça. Ok, bon bah vous savez quoi, on va rester sage et s'arrêter là. Ça fait une demi-heure, donc merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mettez des pouces en l'air, abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et surtout, portez-vous bien. Bye.